On dirait que les pop-up girls bunny ont commencé à étudier. Croyez-nous, votre frime est Burke. Les frogs, dégagez. On n'est pas comme vous. Nous sommes les meilleures étudiantes et les meilleures pop-up girls. J'espère vraiment avoir un A pour cet examen. Les gars, c'est très bien que nous n'ayons pas été virés de cette école. Cela signifie que nous allons continuer à faire nos sales besognes. Pitya, besogne. Eh bien, les gars, je vous aimais bien. Toi et surtout toi, Dima. Oui, Salade, on sait que tu te fous de nous et que t'as une nouvelle amie, Yai. Les footballeurs, c'est quoi Yai? J'ai une amie, mais elle ne m'achète pas de petits pains. C'est pourquoi vous, vous allez m'en acheter aujourd'hui. Il le fera. Je crois que Vitya va bientôt m'enlacer et m'embrasser. Je ne peux plus attendre. Comment est-ce que je vais dire ça? C'est impossible. Ma langue est fatiguée. Oui, Maroussia, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi aussi, je suis fatiguée par tous ces examens. Les filles, arrêtez de penser au contrôle. Regardez. Regarde mon gant, tu peux l'utiliser comme un chapeau. Oh, il est tout doux. Regarde Knoppa, elle est belle cette balle. Regarde, j'ai acheté cette batte à un champion. Patrick, je ne comprends pas. Est-ce que tu as besoin de couleurs vives? Viens ici tout de suite. Et vous les gars, vous cherchez des ennuis? Allez les rejoindre les gars. Mais on ne tombera jamais amoureuse d'eux. Vas-y, enlève ta batte. Essayez encore de vous éloigner et vous verrez. On leur a juste demandé pour le test. Eh bien, bonjour l'école. Diana, pourquoi tu t'es déguisée? Est-ce que c'est un jour férié aujourd'hui? Diana me tape sur les nerfs. Diana, regarde cette belle robe. Achète-toi la même. Rose, tu es fou? Je n'achèterai jamais ça. Mais je vais voir pour la même, même en bleu. Oh my God! Je n'ai jamais vu une robe pareille, même pas en cauchemar. Les filles, arrêtez de crier. On dirait que vous êtes impressionnées par sa robe. Diana, t'es parfaite. Qui est-ce qui est parfaite ici? Il n'y a que moi qui suis parfaite. Tout le monde regarde Diana, mais mon Vitya ne regarde que moi. Je ne comprends pas. Est-ce qu'elle va changer de tenue tous les jours? Diana, la réaction de tout le monde est étrange. Laissez tomber. Allons au café. Les frogs, arrêtez de mater. Bleh. Est-ce que quelqu'un connaît la marque de sa robe? Je crois que c'est AliExpress. Moi, je ne pense pas. Les filles, est-ce que vous connaissez la marque de sa robe? Non, mais on doit la trouver. Les filles, vous avez dit Burke! Heureusement que Vitya ne regarde que moi. Kostia, allons au café, Diana y est. Dis-moi pourquoi? Allons au café et tu m'achèteras un petit pain. Dima, réfléchis bien. Rejoins ma bande. Pourquoi cours-tu après ce lapin rose? Yana, tu m'attireras pas dans ta mauvaise bande, je suis footballeur. Oui, c'est un footballeur et il va m'acheter des petits pains. Yana, on rentre à la maison? À la maison? Non, c'est l'heure de la vengeance. Yana, encore de la vengeance? Pas encore, mais encore une fois, suivez-moi. Diana, pourquoi tu t'es déguisée? C'est un jour spécial aujourd'hui? Tu vas à un rendez-vous? Dis-nous, on est tes amis. Non, les filles, ce n'est pas un jour spécial et ce n'est pas un rendez-vous non plus. J'ai eu envie comme ça, c'est tout. Diana, tu as vu que tout le monde regardait ta robe? Oui, et leurs mâchoires sont tombées par terre. Les filles, désormais je vais m'habiller comme ça tous les jours à l'école. Ice, apporte-nous des chocolats chauds. C'est bien reçu. Dima, mon petit pain, mon petit pain. Ice, un petit pain. Dima paye. Diana est tellement jolie, je veux tellement qu'elle revienne. Dima, tu as vraiment mauvais goût. Tu ne sais pas voir la beauté. Ice, apporte-moi du thé. Salade, tu nous colles encore. Mais où est ton amie? Kostia, ne t'inquiète pas pour mon amie. Elle se teint encore les cheveux en rose. Diana, t'es si jolie. Ta tenue te va vraiment bien. Merci, Ice. Tu es le premier aujourd'hui à me faire un compliment. Ice, je vois que tu es généreux en compliments aujourd'hui. Oui, Diana est jolie. Mais regarde ma veste, comme elle me va bien. Nastia, tu es la meilleure. Mon petit pain, Ice, mon petit pain. J'apporte ton petit pain. C'est Dima qui paye, n'est-ce pas? Oui. Bonjour, 11e classe. Je remplace votre professeur aujourd'hui. C'est pas possible. Est-ce qu'elle l'a acheté sur une autre planète? Où l'a-t-elle trouvée? Où a-t-elle trouvé cette robe? Peut-être qu'elle l'a cousue. Moi, je sais d'où vient cette robe. Mais d'où ça? Les filles, pourquoi parlez-vous si fort? Ouvrez vos cahiers et écrivez. Blondie, dis-moi, s'il te plaît. Je ne te le dirai pas, Knoppa. Je veux que tu rêves de cette robe toute la nuit. Les frogs, taisez-vous, vous me rendez malade. Je voudrais tellement quitter cette classe. Smile, tu as vu la robe de Diana? Je crois qu'elle s'est habillée comme ça pour quelqu'un. On dirait un marshmallow rose. Quoi? Oui, peut-être qu'elle croit qu'elle est une fille marshmallow. Professeur Mike, dites aux filles de se taire.
Elles ne font que parler de robes, de garçons et de pom-pom girls. J'arrive pas à me concentrer. Et tu crois qu'on arrive à étudier avec toi, espion? Max, c'est pas bien d'espionner les filles, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est la faute de Max. Bon, vous avez compris mon plan. Ce qu'on va faire de ces culottes. Compris. Y en a un, je peux? Où veux-tu encore aller, Vitya? Aux toilettes, ça presse. Aux toilettes, d'accord. Mais fais vite. Oh, Vitya, est-ce que quelqu'un t'a vu entrer? Non, personne. Bien, les filles, maquillons-nous et allons voir les basketteurs. Eh bien, moi, j'ai déjà vu Ice. J'en ai marre de vous et de vos basketteurs. Nastia, comment oses-tu? On est amoureuse. Les filles, pour être honnête avec vous, moi aussi, je suis amoureuse de quelqu'un. Stella, j'espère pour toi que ce n'est pas Ice. Allez, les filles, calmez-vous. On est les bannis. On forme une équipe et on a une règle très importante. On ne tombe pas amoureuse du petit ami de nos amis. Stella, c'est clair? Oui, c'est clair. Nastia, ce n'est pas Ice. Refroidis-toi. Stella, c'est ton thé qui va refroidir. Ne te moque pas de moi. Je pourrais te tuer. Qu'est-ce que t'as dit? Calmez-vous. On ne doit pas se disputer. Et vous savez pourquoi? Parce que quand on se dispute, les frogs sont heureuses. C'est ça. Pas de dispute. Allons-y. Mais je te le dis, Stella. Fais attention. Timur, c'est pareil dans ta classe? Les filles font du blablabla tout le temps? Ça fait chier! Ouais, le professeur m'a dit que c'était ma faute après tout! Non, notre classe est sympa. Les filles sont vraiment géniales. Vous avez les bunnies, nous avons les frogs. Fin de l'histoire. Eh bien, les gars, vous n'avez pas de chance. Les gars, pourquoi vous enlevez les clés? Eh bien, simplement que je n'ai pas envie que quelqu'un regarde dans mon casier. Je n'ai confiance en personne non plus. Les gars, vous réfléchissez trop. Qui a besoin de vos casiers? Merde, mais où est Vitya? Il est allé aux toilettes, mais il a disparu. Yana, allez, peut-être qu'il n'est pas seulement allé faire pipi. Rose, ne m'énerve pas. Je suis de retour. Qu'est-ce que je dois faire? Vitya, mais tu as visité toutes les toilettes? Allez, arrêtez de vous disputer. Qu'est-ce qu'on va faire? Rose, dis-lui, sinon je... Bon, écoute bien le plan. Les garçons, salut! Salut les filles! Diana, qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi ça comme tenue? Smile, tu aimes? Moi oui, j'ai décidé de m'habiller différemment pour l'école. Smile, alors ça te plaît? Diana, je t'aime bien, mais pas ta tenue, enlève ça! Smile! Diana, tu ne trouves pas que ce qu'il dit est exagéré? Quel petit ami! Mais comment ose-t-il? Quel goujat! Diana! Qu'est-ce qui ne va pas avec Diana? Mais c'est ce qu'elle a mis, j'ai pas du tout aimé! L'essentiel, c'est que ça lui plaise. Smile, je crois que c'est toi qui lui as offert cette tenue! Non, les gars, je ne lui aurais jamais donné ça! Continuons l'entraînement! Diana, laisse-nous t'aider! Oh, Diana a l'air bouleversée! Je me demande bien qui a pu faire ça! L'une est triste par amour, mais moi, je suis heureuse. Costia, je crois que Smile a vexé Diana. Dis-moi! Les filles, je vais aux toilettes. Blondie, les filles sont déjà avec Diana. Alors reste ici. Diana, ne pleure pas. Les filles, franchement, il a eu complètement tort. Les filles, je n'arrive pas à le comprendre. Je voulais être spéciale, être belle. J'ai fait ça pour lui. Diana, peut-être que tu n'aurais pas dû t'habiller comme ça. Il n'a pas l'habitude de te voir aussi jolie. Merci, Nastia. Ça veut dire que quand je ne m'habille pas, je suis laide? Il est donc habitué à me voir laide. Diana, allez, tout le monde à l'école sait que les bunnies sont jolies. Et en plus, tu es la capitaine. Diana, tu sais quoi? Tu dois lui montrer qu'il a eu tort de réagir comme ça. Les filles, comment je peux faire ça? Comment? Diana, tu sais quoi? Vas-y, écris-lui un message et dis-lui qu'il est un con. Smile, tu es un con, je me suis habillée comme ça pour toi, mais tu n'as pas su l'apprécier. Oui, et mets ça dans son casier. Ou bien colle-le sur son casier, comme ça, tout le monde le verra. Vous savez, les filles, je vais le faire. Je vais lui faire ce message tout de suite. Que c'est un con,
que je me suis habillée pour lui et qu'il n'a rien compris. Smile, tu es un crétin. Je me suis habillée pour toi, mais tu n'as pas su l'apprécier. Voilà. Diana, pourquoi tu mets du parfum? Les filles, ça va lui rappeler comment je sens bon. Les gars, dépêchez-vous. Yana, où dois-je le mettre? Je comprends pas ce qui se passe. Où ça? Dans le casier de Smile. Dépêchez-vous, avant que quelqu'un entre. Yana, ne crie pas. Où est le casier de Smile? Vitia, avec l'arc-en-ciel. C'est là. Yana, est-ce que c'est tout? C'est fait. Bien joué, les gars. Allons-y maintenant. Voilà, Smile. C'est ma réponse. Moi. Les filles, c'est quoi ça? Diana, est-ce que cette culotte est bien à toi? Non, les filles. Elle n'est pas à moi. Qui a bien pu lui donner cette culotte? Diana, cette culotte va très bien avec ta robe. Les filles, ce n'est pas drôle. C'est pour ça qu'il n'a pas apprécié ma tenue. Il doit avoir une admiratrice. Diana, on dirait que les goûts de cette admiratrice ressemblent aux tiens. Oh les filles, salut! On rentre ensemble à la maison? Tu sais, Smile, tu n'as pas aimé ma tenue, n'est-ce pas? J'ai mauvais goût, mais les goûts de tes admiratrices sont plutôt bons. Smile, je m'en vais! Smile, tu n'es qu'un con! Smile, tu sais, on t'a déjà dit de fermer ton casier à clé. Oh mon Dieu, quel problème! Les gars, vous savez quoi? J'ai voulu être spéciale. Je me suis joliment habillée. Mais personne n'a apprécié ma tenue, même pas Smile. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche en attendant la suite. Au revoir. Diana, Smile n'est qu'un con. Il ne comprend rien. Et en plus, il a mauvais goût. On ne s'attendait pas à ça de sa part.